Je voudrais partager, je voudrais vous alerter de cette mauvaise nouvelle. Je me suis fait arnaquer aujourd'hui par ce monsieur ou peut-être dame ou madame, je ne sais pas qui est derrière ce nom de Telegram, Marcus Tesh Token. Et son nom d'utilisateur de Telegram est Marcus Tesh. Marcus Tesh. Donc c'est un voleur, c'est un bandit, c'est un arnaqueur. Marcus Tesh. Si vous voulez acheter des e-coins et que vous connaissez comment acheter des crypto-monnaies sur les sites d'échange, utilisez probit.com. C'est mieux là-bas puisque tout le monde est là-bas, même ceux qui sont dans Ecoin locally, eux aussi devraient être sur probit.com afin de vendre ça là-bas. Donc, je vous propose d'utiliser probit.com si vous connaissez comment faire les échanges là-bas. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez utiliser Ecoin locally. Mais sachez que ce monsieur de Marcus Tesh Token, dont le nom d'utilisateur de Telegram est Marcus Tesh, est un arnaqueur et il vous attend là-bas. Il a même déjà quitté le groupe de Ecoin locally, puisqu'il m'a déjà arnaqué, il a volé, il a escroqué 7 dollars. Il a volé mes 7 dollars ce jour. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est sérieux. Je vais vous montrer, quand vous voulez acheter des e-coins, des coins e-coins, de e-coins, vous pouvez utiliser e-coins locally. Si vous êtes nouveau, vous ne connaissez rien. Vous ne savez pas comment est-ce qu'il faut procéder pour acheter des e-coins. Vous pouvez utiliser leur groupe ici sur Telegram. Mais si vous connaissez un peu comment est-ce qu'il faut acheter des coins sur probit.com, allez sur probit.com. Maintenant, j'utilise d'habitude probit.com, mais maintenant, parce que j'ai parlé avec le support de Ecoin sur ecoinofficial.org aujourd'hui, ben, il m'a suggéré les deux probit.com et Ecoin locally. Or, je n'ai jamais utilisé Ecoin locally pour acheter des Ecoin, des Ecoin. Et donc, j'ai essayé aujourd'hui. Et je me suis fait arnaquer tout simplement. Arnaquer tout simplement. Donc, par ce monsieur, c'est ça que je vous montre ici. Marcus Tesh Token. Et son nom d'utilisateur de Telegram est Marcus Tesh. Il est aussi sur CC type Playground, quelque chose là-bas. C'est une autre plateforme d'échange de crypto-monnaie. Et donc, je vais vous montrer comment est-ce qu'il faut procéder si vous voulez acheter des e-coins, quoi. Vous allez dans e-coin locally. E-coin locally. Locally. Donc ici, si vous arrivez sur le groupe, vous devez attendre à ce que le robot Rose, l'administrateur Rose, c'est un logiciel ici, puisque ça, elle affiche, on parle de Rose peut-être, c'est un logiciel, donc il affiche les informations, les adresses des représentants de l'administrateur de Ecoin, quoi. Il affiche ces adresses régulièrement. Donc vous devez attendre à ce qu'il affiche en tant que robot, oui, ce qu'il affiche les informations, les adresses
des représentants de Ecoin, ouais. Ceux qui sont mandatés à vendre des Ecoin dans ce groupe. C'est eux qui sont ici, les représentants. Il y en a pour India, Nigeria, Afrique, Europe, l'Europe, le Sud-Afrique, Brésil, Ghana, Togo, Bangladesh. Et si vous disposez de PayPal, vous pouvez cliquer aussi sur PayPal. Si vous cliquez sur ces noms de pays, les représentants de ces pays-là vont apparaître. C'est-à-dire, ces boutons vous redirigent sur les informations de ces pays ou de ces représentants. Et regardez les prix. Hein? Les prix. Et donc, soyez vigilants. C'est vraiment important. Si je clique maintenant sur, par exemple, India, donc, ça va afficher. Ici, c'est l'information de ceux qui sont là-bas. India, c'est ça qui est là. Ecoin officiel tiret Hindi. Et donc là-bas c'est comme ça. Voilà, voilà les personnes qui sont mandatées par l'administrateur. Verified admin, c'est ça qui est là. Si vous cliquez sur ça, vous allez contacter la personne. Je vais en arrière. Je vais encore choisir d'autres. Donc si vous êtes nouveau, vous pouvez utiliser le groupe, mais vous devez attendre à ce que l'information de Rose, l'administrateur du robot Rose, vous allez attendre à ce qu'il affiche les infos. Si quelqu'un, si vous voyez des DMI, DMI dans le groupe, ne le suivez pas. Sinon, rapidement, vous serez dans les mains des voleurs, tout simplement. C'est très simple, hein. Très simple, attendez. Peut-être Rose va m'afficher ces informations. Et vous allez voir les pays, les noms des pays. Cliquez tout simplement sur ces noms et contactez les représentants et soyez très vigilants. Lisez les prix et soyez vigilants. Pour avoir accès à vos e-coins, vous devez avoir un compte fully valide. Un compte dont le statut est complètement validé. Et donc, et pour le faire, mettez à jour votre moyen de paiement, votre compte de portefeuille de Telos, et ajoutez votre numéro de téléphone WhatsApp et référez au moins deux personnes ayant des comptes de statut fully valide, complètement validé. Et vous devez acheter au moins 5 000 Ecoin. C'est ça que je voulais acheter. Et je suis tombé dans les mains de Marcus Tesh quelque chose, de ce bandit. Voilà, alors Rose n'affiche pas l'info rapidement. Vous devez attendre à ce que ce bot affiche l'info, l'information, forcément. Ok, c'est ça qui est ici. Vous mettez, écrivez dans le chat, vous envoyez un petit message pour leur indiquer que vous voulez acheter des coins, des coins et coins, et puis. Vous attendez forcément Rose ici. L'information de Rose, Rose admin. Et cliquez sur votre pays. Cliquez sur votre pays. Si vous ne trouvez pas votre pays, si vous êtes en Europe, vous cliquez sur Europe. Vous allez voir l'information s'afficher. Donc c'est clair maintenant. Ne faites pas cette erreur-là. L'erreur que. Mais ce n'est pas une erreur de ma part puisque j'avais été bloqué. Donc, je n'avais pas l'accès à ce groupe-là. Il y a ces informations qui étaient ici depuis. Hein, donc, ces informations étaient là présentes.
Mais Rose n'a pas vite affiché ça et j'ai vu des DMI, 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 DMI. J'ai cliqué sur un DMI et c'est fini. C'est le voleur qui... Marcus, le voleur. J'étais déjà avec lui. Il a escroqué 7 dollars. Voilà la garantie qu'on a quand on me suit. Vous pouvez perdre, mais ce sera une petite somme. C'est comme ça. Maintenant, c'est Probit.com. Mais je vais utiliser Probit.com maintenant pour acheter au moins 10 000 Ecoin. Puisque cela me donne droit à faire des demandes de retrait. Au moins 20 000 à la fin de chaque mois. 20 000 Ecoin. Ce n'est pas grande chose. Maintenant, il n'y a pas, la valeur n'est pas élevée, mais on les garde dans nos portefeuilles. Voilà. Ce n'est pas le temps de vendre ces coins, puisque la valeur n'est pas au top maintenant. Je pense que vous m'avez compris. Abonnez-vous à ma chaîne et likez ma vidéo. Je n'ai pas dit que ce groupe est de l'arnaque, un groupe d'arnaque, je n'ai pas dit ça. Mais il y a beaucoup d'arnaqueurs ici qui vous attendent. Si vous savez comment acheter des crypto-monnaies sur des sites d'échange, utilisez probit.com et c'est fini. Le tout sera joué. Voilà, c'est bon.